Invité le samedi 3 juin 2023 sur le plateau de Quelle Époque, Éric Dupond-Moretti cesse de laisser aller à quelques confidences au sujet de sa compagne, Isabelle Boulay. Depuis la fin de l'année 2011, Éric Dupond-Moretti est en couple avec Isabelle Boulay. Et pour cette maman d'un garçon âgé de 14 ans, Marcus, fruit de la relation avec le producteur Marc-Antoine Chicoine, il est parfois difficile de trouver un véritable équilibre entre sa vie de famille et amoureuse. Et pour cause, elle est très souvent amenée à voyager en France, pour rejoindre son bien-aimé, mais doit repartir au Canada pour retrouver son fils. Pour autant, la chanteuse ne laisserait sa place à une autre femme pour rien au monde. Quand j'ai rencontré Éric Dupond-Moretti, il était déjà l'homme qu'il est. Et si est-il cet homme-là que j'aime? Mais je ne me sens pas dans son ombre pour autant. Point, et nous avons un monde commun qui est une chasse gardée. Après, pour n'importe quelle femme, ce n'est pas la plus belle des nouvelles de savoir que son mari va faire de la politique, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Paris Match. Et une chose est sûre, Isabelle Boulay est consciente que parfois, son quotidien peut être difficile à suivre. Moi qui suis toujours la femme qu'on attend. Mais j'aime bien que quelqu'un m'atteigne dès quelque part, dévoilait-elle avec tendresse. Si la chanteuse dévoile de temps en temps sa vie privée aux médias, Éric Dupond-Moretti est plus discret. Toutefois, il n'est pas passé au travers des questions de Léa Salamé au sujet de sa relation amoureuse avec la chanteuse. En effet, dans Quelle Époque, le garde des Sceaux a été questionné sur sa romance avec la chanteuse. Et si est-il avec beaucoup de retenue qu'il a déclaré, vous savez, Isabelle et moi, nous avons toujours fait en sorte de protéger notre vie privée, vraiment. Si est-il parfois compliqué parce qu'elle a sa vie professionnelle, j'ai la mienne et il y a parfois des interférences, a-t-il indiqué. Un court moment où le ministre de la Justice a bien voulu baisser les armes. Et ce ne fut pas le seul lors de son passage dans Quelle Époque. En effet, Éric Dupond-Moretti a été aussi interrogé sur sa maman, Elena Moretti. Un sujet sensible. Ça, ce n'est pas chouette. Ça, ce n'est pas bien, a-t-il réagi en voyant une photo de sa mère et lui. Très ému, le compagnon d'Isabelle Boulay confie, je suis un garçon pudique moi. Ma mère. Je n'aille jamais oublié que si est-il une Italienne devenue une Française de préférence et quand elle entend la Marseillaise, ça la fait pleurer. Voilà ce que je peux vous dire.